Star, t'as visuel sur le toit sur... Y'a un hélicoptère, un deuxième hélico, je sais pas où il est, je sais pas qui est allié. Attends. Ah, le BTR, là, en face, le BTR en face, ça. Ah bah, Star, BTR, en face, ça, en face sur la route. Ah bah, tire. Tire et suis. Y'a beaucoup d'infanterie en 180. Yes, BTR des... traité. Écartez-vous de l'infanterie. Ok. Le MK19, tu peux engager l'infanterie. Quelqu'un a transmis au... Attention, on se prend des... Star, baisse-toi. Infanterie, autorisation de tirer. Fais la volonté pour l'infanterie. On se prend des tirs avec Star à gauche, je fais bouger le taux. Ah putain. Ouais, là, je suis pas encore bien à couvert, là. Le BTR est neutralisé? Ouais, le BTR a été neutralisé par Yoto. La menace BTR a été neutralisée. Plus de visuel depuis le MK19. Il se rapproche de nous. Ok. Dans la fumée, il y avait des contacts. Sergei. Ouais. Contact en 185. Ouais, tu prends ton groupe de mecs et tu vas avancer aux petites ruines qui sont au 220, à couvert derrière les rochers. C'est bon, il est down. Ok, ça va bien. Non, il est pas down, il est pas down. Mark 19, on embarque. Ceux qui étaient dans le MK19 embarqué avec Sergei, vous avez bougé en direction du... Attends-moi. On était que 3 dans le tour. Ça c'est quoi ça? Hélico ennemi sur la droite, attention. C'est Olaf qui est en train de chasser l'hélicoptère. Ok, descendez les gars. Go, on descend. Prenez des couverts dans le... Sur les rocheuses. Couverts sur les rocheuses et... Missile. Un petit conseil pour MK19, restez pas dans le véhicule, sinon les IA vont vous focus avec les lance-missiles. Ça risque d'être un peu catastrophique. Attention, grenade. Waouh. On se focus sur lance-grenade qui... Repuie-toi. Deuxième. Ok les gars, essayez de trouver des mecs aux lance-grenades, à trouver les mecs aux lance-grenades et abattez. Je cherche le village là, comment je fais des yeux. Sergei, faut que tu back, on va essayer de les avoir mais c'est compliqué. Plus à gauche. Regroup. T'es sûr, franchement? C'est où que... Derrière nous au niveau du bunker. Ah mais si en plus ces mecs contournent, ça va être encore plus ce bordel. Eh, y'a des contacts sur la position de Sergei là, au plein ouest. Plein ouest très proche à 50 mètres, là, ils se font rush. J'ai aucun visu sur les... On a perdu un équipier. On a perdu un homme, ouais. Il est vivant. Ok, Purem, mon escouade au 230, 220, 230. Il y a des mecs qui arrivent dans le village. On tire dessus aussi, hein. Ah, riposte. Mais je les vois pas. Mais je t'ai dit 220, 230 derrière le village. 220, 230 derrière le village. Ouais, mais j'ai des arbres, hein. Dépêche-toi. Oui, mais les arbres ils sont toujours au même endroit. Ok, les survivants des squads de Sergei à baquer. Baquer, si jamais c'est trop chaud, n'hésitez pas à baquer, hein. Revenez un peu en arrière. Non, ça va aller, on est vivant. Oh, le village, quelqu'un peut me dire à combien de mètres c'est plus ou moins? Je dirais 200, mais. 200 non? 300? Ok, il est en mètres. 250? Ouais, attends, je tente un 250. Oh non, il va tenter la gauche. Un peu, ouais, un peu trop bas. Ok, un peu plus haut. L'équipe de Sergei, elle va bien? Ouais, c'est bon. Ah, c'était un plein dessus. Ah, ça a tapé sur le bâtiment. Donc c'est 300 mètres de village. À l'entrée. Sergei, s'y trêpe pour ton escouade. Oui, Kylian, on va essayer de récupérer ce petit bunker qui est légèrement contre. Ok, les gars, on va se mettre dans le... On va se mettre dans le véhicule. Star, t'es où? Prendre une progression sur le village. Ok, ça marche. Nous, on va foncer sur le village. On va aller... on va essayer de faire du CQB dans le village directement. Kendai sur l'avant du véhicule avec moi. Miguel et Stargos derrière. Un soldat ennemi à terre.
Ok, Star et Migway, vous sécurisez le bâtiment qui est au, à l'est. Le groupement de bâtiments à l'est tout de suite. Possibilité de répéter en radio, Kylian, je pense. Sécurise à l'est, Darnou à l'est. Va voir là où il y a le mec mort, sécurise-moi ce groupement. Kendai, tu prends une position quelque part. Un truc où tu peux couvrir. Ok, Sergei, si tu veux descendre sur le village, tu peux progresser si tu veux. Ok, les boys, on embarque, on va y aller. Smoke verte sur position, Sergei. Smoke verte sur position, allié. Bien sûr. Ils sont devant la gueule. Kylian, on arrive dans le village, on commence à investir une espèce de groupement de maisons un peu gros là, sur ta droite. C'est reçu, on, est, bah, on sera juste sur votre gauche. Alors, il y a des contacts au niveau du sud-sud-ouest, hein, au niveau de la colline et des champs. Attention à ça. Par contre, du coup, on a plus aucun contact avec l'hélicoptère à moins qu'il passe sur nous, donc. L'hélico, il a l'air de vivre sa vie, ça va. Tranquille. L'hélico vient de se cracher. Ouais. Ouais, j'ai rien dit alors. Ah bon, on a plus d'hélico. Ok, Kenda et Star en premier, suivi de Miguel et moi en dernier. On va direction Smoke Verte, ok. Juste en face, à Azimut 280. Go, allez, c'est parti. Bon. Sergei, on arrive sur toi venant de l'est. On est en colonne, on arrive sur toi venant de l'est. Tire pas. Très très proche. Bien reçu, attention, on a des contacts à Azimut 220-240. Ouais, voix forte pour que tout le monde sache qu'on arrive, attention. Sinon. Ok, je vais à l'étage. N'hésitez pas à vous mettre en voix forte, hein, escouade de Sergei, si jamais, pour pas qu'on se décale dans les bâtiments, ce serait. Putain, foutu fumée, je vais me faire niquer. Le bâtiment est clair. On voit rien dans la fumée verte là. Et en face, et ça c'est allié, ça, ça c'est allié, c'est allié. On est en face de vous, toi. C'est allié, ça, à côté. Je vois rien avec la fumée. Ok, pour tous, on est tous au même groupement de bâtiments, donc vous tirez pas dessus, y a aucun ennemi dans le groupement de bâtiments. Contact, blindé ennemi arrivé sur la route principale. Ok, ça par contre c'est pas allié ça. Descends, reste pas là s'il nous tire dessus. Ok les gars, les AT, des grenadiers, tous en position. Tenez-vous prêts. BTR. Oh, attention. BTR. Attends, je tente la grenade. Est-ce que quelqu'un est à côté du BTR? Moi je suis juste au-dessus là, j'ai pas le temps de descendre. Si vous avez des HE les gars, c'est le moment. Et où? Juste en contrebas. En contrebas. J'ai un AT, je vais essayer de le prendre par derrière. Je sais pas si ça lui fait des dégâts, des HE. Attention à ta grenade, tu as balancé trop bas, trop. Ouais, viens, j'ai peur. Les gars, faut shrapnel hein, sur la grenade, Kenda. Escouade Pépito, continue à surveiller s'il vous plaît les Asiens. Il y a peut-être 220 à la grande colline. Halt au feu sur le BTR, il y a peut-être moyen qu'il soit traité, hein. Je crois que les mecs ils sont morts. Hein. Non? Le conducteur, non, mais des mecs qui sont en tireur sont morts. Les tireurs sont morts. On peut péter les roues. Ouais, casser les roues, casser les roues. Putain, on a peut-être gagné notre ami. Y'a des contacts proches au niveau de la position du BTR, fais gaffe. Quel conducteur neutralisé? Ok, attention s'il descend. Ok, c'est trap pour toutes les squads de Sergei. Sergei, ok. Deland, ok. Il reste que deux personnes dans les squads de Sergei? Non, y'avait Purem. Trouvez. Hey, y'a un mec qui est baissé. Y'a un gars qui est baissé sur la zone, a trouvé. Mais je vois un homme à nous mort là. Je vois un homme à nous. Putain, un homme à nous mort, bordel. Anouma. Là, à gauche. Ah, je vais. Je vais, c'est un mec. Il m'a l'air indiqué, il cède. Non, AT, il est décédé. Par contre, là, à tes pieds là. Tu m'entends du coup? Miguel. Viens ici, vite. Là, à gauche, dépêche-toi, y'a un mec à soigner ici. Je sais pas qui c'est. Putain, ok, pour tous, reprenez les positions défensives et protégez Miguel. On va attendre l'arrivée des renforts. Merci. De rien, bah c'est pas de ma faute. Hein. Non, Ah, de rien. 2, 3 contacts. Oh, pardon, my bad. J'ai pas vu. Oh.
Ah mais c'est mal branlé aussi mec, j'ai tiré à droite de l'herbe, c'est tombé sur l'herbe quoi. Ah c'est mal branlé le truc. Eh okay. Ça tire au niveau. Eh, y'a des mecs qui arrivent sur nous, non? Direction ouest. Vers l'ouest. On a pas clair les bâtiments de gauche là. Affirme, Diane, va checker les bâtiments de gauche. Passez pas à côté du F-19, il y a pas mal de passages. Je suis désolé si je mets du shrapnel, mais c'est pas évident de tirer avec ça. Eh, hey, on se prend des tirs venant de, du sud, non? Je me fais tirer dessus, ouais. Je suis beaucoup de tirs. Sud, non? Sergei Dian. Venant du sud, ouais. Je vais aller voir avec l'info. Ok, qui c'est qui est resté au nord tout seul dans le groupement de bâtiments? C'est Starghost? Au niveau du toit? Ou d'un balcon? Ouais, au niveau du toit, je suis en train de têter les mecs. Ok, t'es tout seul sur ton groupement de bâtiments. Là, je suis, moi je suis MK19. Ouais, tout seul. Et tout le reste, ils sont à gauche. Ils sont où les mecs? Ils sont très loin, Star? Non, à environ 200-250 mètres. Attention, il y a un autre qui arrive vers nous. Est-ce que tu peux m'indiquer si mes grenades touchent ou pas? Ah, très bien. Attention, ça nous arrive dessus, la Sienda Fatou. T'as pas l'air d'être touché. Oh, vas-y, 240 ensuite. Ok, Star, tu vas me dire si ça y touche encore ou pas. 240, on a pas de visuel avec le truc du canister. Là, j'en ai eu un, mais y'en a sûrement d'autres, hein, tout ça tire. Ça touche, Star? Star? Putain, il s'est fait abattre ou quoi? C'est toi, Purem, j'ai dit un. Azimut 300 au niveau de. Dans le bois, au niveau de. Star, tu vas bomber sur la radio? Star? Allo? Star? Ah oh non, c'est Gendad. Je crois qu'on a un homme à nous près de la colline. Il est où, Star Ghost? Fais gaffe! Vas-y, vas-y. Ouais. Ouf. Eh, Starghost, il est passé où? Aucune idée. Il était où Starghost? Il était pas sur un bâtiment? Sur la colline de. Putain, ça arrive encore les mecs à l'assiette! Par où ça arrive? 266, derrière le bâtiment là. Derrière les deux poteaux électriques. Sud-ouest, 200, ouais, dans les 250-160. Ils sont deux, putain! Distance approximative. Je sais pas, 150 mètres, 200 mètres. Ok, fais gaffe, tu prends trop de tirs, tu prends trop de tirs. Ouais, je suis à couvert. Azimut 240 exactement, ils sont deux près des buissons, entre les deux poteaux. Oh putain, ouais, je prends ta. Trop bien, j'ai failli me la prendre. Gaffe, ils nous attaquent. Hein. Je sais pas où ils sont. Je suis content de par la droite, attention. Je vois pas. 100 mètres left. Eh, Sergei, il va bien ou quoi? Il est passé où? Personne n'a de nouvelles, Sergei? Si, je suis là. J'ai vu un mec qui était en dehors de la scène. Personne n'a de nouvelles de Starghost du coup. Parce que je sais pas où il est, Starghost. Ah, sûrement mort, il était derrière. Ouais, mais il est peut-être aussi blessé, c'est ce que je me demande. Tu veux que j'aille checker derrière? Non, négatif, tu seras tout seul, reste là. Oh pote, fais gaffe, ça traverse hein. J'ai ressenti ça. Tu veux que je check s'il y a les corps des autres? Non, négatif, reste dans ton bâtiment, c'est pas trop mal là où t'es. T'as un visuel sur tout ce qui arrive de droite et de gauche, donc c'est génial. Quelqu'un a des visuels sur où ça arrive? Putain, mais ça me bombarde. Moi je vois pas moi. Et nos renforts ils mettent un temps fou à arriver. Je confirme, j'ai 300 dans la forêt. Proche, contact proche.
tout proche, faites gaffe. Tout proche, 300. Te mets pas devant l'entrée, sinon je crois. Oh ouais, ça, je confirme, ça arrive bien. C'est moi qui ai tiré dans ce garage, je suis désolé. Ah, c'est du plus Carter là. On a un novateur devant la porte. Charge, je le vois pas. West. Je le vois pas, puis. Je vois pas non plus. Ça doit être Kendall. 3, regroup. Il est là. Kendall, s'il trappe sur la radio. On a un décédé alors. Ok, reçu. Tenez la position encore. S'il contourne, on est bon. Hein. S'il trappe pour tout le monde. Star. Ah non, Star, il doit être dans. Des lents d'envie. Oui, yep. Ça. Ouais, Sergei, t'as envie? Sergei? Contact 300. Quelqu'un visuel sur Sergei, il était où? Il était sud-ouest dans la pampa près de la montagne, mais pas visuel. Merde, il doit être touché alors, enfin peut-être. Faudrait essayer d'aller. Si ça se calme, ouais, si ça se calme, y'a peut-être moyen. Non, contact encore! 200. Ils sont pas loin. Hein. Ah, ça me tape dessus, je peux pas viser. J'en ai eu deux. Ouais. Au niveau du corner de la maison. Arrive à l'entrée. Pété. Il y en a un autre. Aïe. Putain. J'ai touché. J'ai touché, j'ai besoin d'aide. Je suis un peu trop avancé par contre. Je suis beaucoup trop avancé, mec. Yes. Peut-être bientôt. Quoi? Attention à cette porte, Gwenlag, attention. Attends, laisse-moi me relever. Je suis pas infirme. Je suis sauvé. Je suis pas infirme. Protège-moi. Je suis pas encore relevé. J'en ai un. Fais gaffe. Non. Putain, New. Va gauche, vite, va tout de suite à gauche. Oui. Je te donne renfort à la porte est. J'arrive. Ils sont partout. Ok, c'est bon. Ok, ils nous ont encerclés. Ouais, c'est un last stand. C'est votre last stand, monsieur. À moins qu'un renfort arrive. Si tu bouges pas, là j'ai ta porte en visuel. Ça va arriver dans. Oh, ça va arriver dans ton dos, Wenlager, ouais, normalement. Ouais. Ça peut arriver de partout là. On a eu un autre. Putain. J'ai une porte en visu moi. Ok, j'ai un mec qui arrive sur ma porte. Ok, tu couvres mon dos, Gwen, je vais essayer de te couvrir le tien, ça te complique. Ça marche. Y'a un contact au niveau de la porte. Juste derrière le mur de la porte. Diam, je couvre ta porte et ton arrière normalement. Moi aussi. Putain, j'ai un espèce de petit trou pour tirer. Et si Marshall pour infanterie, est-ce que vous nous recevez? Sur la colline, Miguel. On vous reçoit. Ouais, on vous reçoit, on est plus que 4 sur zone là. C'est la merde, il faut absolument venir sur nous. Affirmatif, nous arriverons par la route principale à votre sud en remontant. Ouais, il prend pas. Sur la colline, RPG, Gwenleg. Ok. Ah putain, je suis touché. Bute tout ce que tu vois. Merde, j'ai pas vu. Miguel, je crois que ça nous a contourné. De la maison. Déployez un fumier de votre position, les gars. Je suis nouveau. Kylian est à terre, attention Gwenlay, Kylian. Fumier rouge sur zone, t'arrives. C'est reçu. Oh, c'est proche, très proche. Fumier rouge et vert sur zone. Allez dans les maisons, tout. Aux maisons, les gars, backy aux maisons. Putain, je suis en train de boiter. Vas-y, je fais ce que je peux. Ils arrivent de partout, mon gars. Je fais ce que je peux. Je suis avec Gwen dans une autre maison. Il est médic aussi, reste avec. Ok, pour Star Ghost aussi est descendu. Attention, ça rentre. Tenez la position. Quoi, Axel, Olaf. Oui,
est tous dans les maisons les gars, faites gaffe. Tirez pas dans les maisons. C'est vous qui venez de tirer les gars? Ah si, c'est nous. Ceux qui tirent à quoi, chat? On est deux aussi en infanterie en arrivant de votre est. C'est bien reçu, on est tous dans les baraques au niveau de la fumée rouge, on est à l'intérieur de la cible. Je suis au niveau de la fumée verte moi. Eh par contre faites gaffe, purée mais tout parce qu'il y a des tireurs de lance-roquettes qui sont pas loin. Ah c'est bon, on a gagné. Le chef de guerre s'est pris une balle perdue. Ah non, à mon avis il était dans la zone. On a Rose, sauvez-vous. Contact autour de la maison, y'en a un qui est passé sous ma fenêtre. J'entends marcher les gars, s'ils sont au mur. Avec Gwen, on est en paix. What? Il arrive allongé, attention! RPG qui? 47 à la porte gauche, je sais plus où c'est. Dion, tu sors ta gauche, tire pas. Tu m'as sauvé, Dion. Dion, en face de toi, il va arriver normalement, je crois. Okay. Pour tous ceux de la Hacienda, il arrive côté ouest, le mec avec l'RP. Ok, j'ai visuel. On se fait focus, on peut pas mettre côté ouest, Miguel. Je crois que je l'ai neutralisé, le mec avec l'RPG. Il est au niveau de la Hacienda avec l'RPG, ouais. il est en close quarter, 10 mètres, 20 mètres, grand max. Contrôle, normalement il est mort. Je vois un cadavre par la fenêtre. Ok. C'est un cadavre avec un lance-roquette. Je sais pas, je vais check. Moi j'ai un tube à côté de moi, mais c'était un mec des AA. T'as du contact, Gwen? Je vois pas de lance-roquette. Ouais. Ah, celui qui avance en boitant. Il devrait être par là, le mec au RPG. Ouais, je sais. Y'a plus personne en tout cas du mur sud. Les visuels sur vous. Reçu. Ça m'a l'air d'être clair nos alentours. On voit l'œil quand même. Gwen, t'as des contacts proches ou quoi? C'est bon, abattu. Déplace. Ah si, déplace. Si, j'ai vu son lance-roquette, il est down, c'est bon. Avec toi, c'est toi Gwen? Putain, là c'était chaud mon gars sur les deux fenêtres. On a tenu, c'est bien, c'est important ça. Ok, visu à côté de Hacienda, tout est sécurisé. Et Hacienda est safe, c'est safe. Putain la vache. MK19 pas opérationnel, on est parti, on va mettre à couvert, y'a trop de tirs qui viennent de la gauche. À l'infanterie, là où il y a la smoke blanche au niveau du sud-ouest, vous sécurisez ça. Pas mal de tirs, mais au sud-ouest. 280-300, il y a un bunker qui a l'air de donner sur la ville, on pourrait peut-être essayer de le prendre. Ok, putain. Normalement, il a été nettoyé le bunker. LEM2, fais gaffe. Hein. 40. Quoi? Je peux pas tirer avec la batteuse, il y a des armes. Rapproche ton MV. Il y a un bunker à droite. Attention, contact en approche, l'infanterie, ouvrez l'œil dans la fumée. Ok, le lave revient un peu en arrière, s'il te plaît. Faut pas que tu prennes trop d'avance, sinon on va te perdre. Au niveau des murets, les gars, si ça arrive. T'es sûr que ça arrive? Ah bah oui, j'ai vu courir comme un lave. Grenade. Pas de contact au niveau des murets. Soit il s'est allongé, soit il a pris un prix. Ok, le LAV, tu vas avancer lentement sur la route en gardant un visuel sur ce qui est sur le flanc gauche. Et l'infanterie, on avance, c'est parti tous en même temps. Y en a un qui reste avec les véhicules pour les ramener au cas où, ou tirer avec. L'infanterie, c'est parti, okay, en avant. Prochain muret, les gars. Le LAV t'avance très lentement. C'est blague. Oui, le LAV, le LAV. Ah, merde.
Les chiards, putain. Ah oui, y'a des bunkers à gauche là-bas. Faites gaffe, y'a un mec qui est en hauteur sur le bâtiment de droite. Négatif, il est mort. Ok. J'ai essayé de lui carrer quelques balles, il est déjà mort. Infanterie, prochain muret, on progresse. Ah, ouais, je le vois encore bouger. Il est mort en fait. Ouais. Là, il est mort. Désolé. Ah, je confirme, ouais. Ok, le gars qui est au MV, vous y ramenez, ramenez des MV. Enfin, s'il y en a qu'un seul, tu ramènes un MV, tu vas en prendre deux, on va rechercher les MV, on va y ramener. Parce que si jamais on perd le lave, on est baisé après. Ouais, ok, je ramène. Ça c'est. Voilà, il y a extérieur. Bon, il y a un bunker à droite là de la colline. Yep, le bunker, il y a. Enfin, au vu de ce qu'on a chopé sur la Hacienda, mec, il y a personne. Un bon point pour. Ok, pour toute infanterie, préparez-vous à avancer en vie directement. On va voir quelle vie on prend pour avancer. Nice. Ouais, le MK19 dedans, ça passe, tu penses? Je serais chaud en vrai. Ok, pour toute infanterie, on va progresser au niveau des routes. Avec les véhicules, les gars, progressez au niveau de la route vers le lave. C'est parti. Là. Vas-y. Si, de l'autre côté, côté droit. C'est, ils sont un peu buggés, MVRHS. Ok. Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller checker un peu la mosquée. On finit un peu par les bâtiments de droite et après on ira à l'extraction tous ensemble si jamais on est toujours en vie. On doit faire péter les quais. Ouais, on doit faire péter les quais justement. Tous les personnels à bord des MV, la zone est plus ou moins safe donc on va faire ça vite. On arrive. C'est bon, on est dans le MK19, je sais pas pourquoi mais... Tout le monde est à côté d'un véhicule ou à côté de quelqu'un de safe? Vous avez pas oublié de récupérer l'auto les filles? Ouais, on va le récupérer avec ça. Ok, bien, Shuma. On dégage. Tout le monde est dans un véhicule, c'est bon, y'a personne qui est à part du véhicule. Hein. Une seconde, Kylian, on va récupérer le tour avec Star. C'est reçu, mais personne n'est à côté de la dernière cage d'armes. Négatif. Ok, je fais péter alors. Gwen, fais gaffe. Ok, dernière cage d'armes pété alors. Tout est sécurisé, on va partir en zone d'extraction quand le taux sera là. A mon avis, ça a l'air d'être safe. Plague, il est toujours sur la radio. Affi. Vous avez traité des deux hélicoptères tout à l'heure? Affi. Bah nickel. Nickel. Affi. Ok, on arrive en zone d'extraction dans 30 petites secondes.